Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un petit cadre. Ah, mon oreille. Aïe, j'espère que je saigne pas. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je n'ai plus du tout de voix. Je sais, c'est horrible. Et encore, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez pu voir que ça va vraiment beaucoup mieux. Donc j'ai quand même voulu vous faire une petite vidéo. Donc, durant que j'ai tourné cette petite vidéo, je n'étais pas du tout malade. Donc c'est une routine veille de rentrée. J'ai trop voulu faire ce style de vidéo, même si elle va pas être longue. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment essayé de faire le truc que je faisais vraiment. Et vu que je fais pas grand chose, ben voilà. Après j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo où j'ai une voix normale. Oula, ça va pas du tout. Bon là en gros les gars, je pense que vous avez vu l'intro de vidéo. Attendez, je vais me mettre un peu à la luminosité. Donc il est maintenant 15h et j'ai décidé que jusqu'à de 15h en fait, jusqu'à ce soir, je vais prendre soin de moi, je vlog. Donc j'ai décidé que de maintenant donc vers 15h jusqu'à ce soir, on va faire une petite routine veille de rentrée etc. La routine que j'effectue à chaque veille de rentrée. Mais bon, si je fais la veille de la rentrée, ce sera jamais posté à temps clairement et je serai littéralement en panique totale. Du coup je vais vous montrer ce que je fais la veille d'une rentrée, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et ben c'est parti. Bon là les gars, on est dans ma cuisine. Ce que je vais faire, c'est je pense que je vais me faire un thé froid. Je vais prendre un shaker parce que mes thés, je les fais littéralement dans tous mes shakers et comme vous savez, genre j'adore le thé, genre c'est ma plus grande passion hein, et quoi de mieux de prendre un thé pour se détendre, pour se rafraîchir et tout. Parce que oui, je vais me faire un petit thé froid. Du coup, Cat Lion, ils m'ont envoyé des shakers et tout, moi je passe m'autoriser. Je dis juste qu'ils m'ont envoyé des shakers et en fait moi ce que je fais c'est que je mélange deux thés. Je mélange des thés verts classiques avec des thés que mes parents m'avaient ramené de Marseille. Genre c'est des tisanes détox biologiques et genre ce machin est juste trop beau. Ça fait deux fois que je demande de m'en ramener. Genre c'est littéralement ma deuxième boîte. Ça sent pas trop que c'est mélangé, juste je mets du thé vert qui n'a pas de goût pour que ce soit détoxifiant et je mets juste ça pour le goût en fait. Du coup on va tout mettre dedans et après on va mettre ça au frigo puis on va venir boire tout ça. Bon là les gars, je pense que je vais me faire un petit mug cake au Nesquik. Mise au point. Donc j'adore me faire des mug cakes, je m'en fais pas souvent mais là je me dis genre pour la vidéo, pour la petite routine cocooning veille de rentrée, je me dis pourquoi pas. Du coup bah, je vais vous poser et je vais faire un petit mug cake. Je vais un peu vous dire vite fait les proportions parce que genre on va dire que c'est pas trop une chaîne cooking et ni une vidéo cooking. Et après avoir fait le petit mug cake, on va venir faire un peu de montage, regarder quelques vidéos, Netflix, chiller. Et après on ira prendre notre meilleur bain, faire notre meilleur masque pour la peau, on va faire des masques pour les cheveux etc. Du coup j'ai trop hâte. Et pour les masques pour les cheveux, je ferai des trucs maison, donc ça je vous donnerai aussi les petites recettes. Bon ben là je me suis littéralement tachée, je suis pleine de chocolat. Ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder une petite série Netflix, regarder des vidéos sur YouTube dans ma chambre. Genre je vais un peu me poser et tout. En attendant que ma soeur vienne prendre son bain parce que madame je lui ai dit que je prenais un bain, elle est partie en cours dans la salle de bain prendre un bain. Je la déteste clairement. Du coup ben on va aller dans ma petite chambre avec moi, on va regarder un petit Netflix and chill. Et voilà. Là je suis en train de mettre en place mon petit planning de vidéo, j'ai fini de regarder Netflix. Là je vais finaliser je pense un petit montage etc. Là je vais écrire plein d'idées de vidéos comme je fais tout le temps. Et je pense qu'après ça j'irai me coucher parce que je suis vraiment crevée et vu que c'est une veille de rentrée, voilà voilà. Bon là les gars, je me suis littéralement assez reposée. Je me suis reposée une petite heure et on va encore se reposer dans la petite baignoire. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais venir faire mon petit masque pour les cheveux. Parce que mes cheveux sont explosés en ce moment, c'est un truc de malade. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mélanger dans un pot un œuf, de l'huile pour les cheveux avec de l'après-shampoing. Et je vais venir le poser, je vais venir, je pense, le laisser poser une heure, un truc comme ça, enfin le temps que je sois dans la baignoire et tout. Et après, enfin je vais vous montrer. Et après je vais venir mettre un petit masque comme ça quand je serai dans la baignoire. Et dans la baignoire on va mettre nos meilleurs savons, nos boules lush etc. Du coup voilà, bah, je vais venir faire ma petite préparation pour mes cheveux. L'huile pour les cheveux, je prends la Descanges moi personnellement. Ensuite je vais aller récupérer mon après-shampoing. Donc en après-shampoing je prends L'Oréal, celui-là, enfin à chaque fois je change tout le temps. Mais voilà, et après on va venir prendre un œuf. J'ai de la chance, c'est le dernier si j'arrive à le prendre. Donc le voilà, en plus c'est un truc de fermier. Et maintenant on va pouvoir commencer à faire la préparation. Et moi de toute façon les doses je les mets au pif. Genre vraiment je les mets au pif.
Bon là j'ai littéralement fini de me faire poser un masque. Je vais me faire un chignon bien serré pour pas que ça aille dans l'eau ou quoi, pour vraiment que ça pose bien. Et ça me fait tellement bizarre genre d'avoir les cheveux comme ça. Oh c'est horrible. Et maintenant on va venir faire couler le bain et faire un bon petit masque, regarder une bonne série Netflix, vraiment chiller. Et aussi au passage je vais aller récupérer mon thé que j'ai laissé genre pour bien que ça soit infusé, pour boire dans mon petit bain, parce que le bain ça déshydrate tellement que c'est chaud, c'est horrible. Et après le bain je pense que j'irai faire du montage ou quoi, encore une fois chiller et tout, parce que c'est quand même veille de rentrée, donc on va pas un peu se stresser à bosser. Bah du coup voilà, c'est parti. Bon bah les gars, je viens de sortir de mon petit bain. Là je me suis lavé les cheveux, j'ai enlevé mon masque et tout. Donc faut attendre que ça sèche pour que le masque fasse effet, c'est ce que m'a dit ma pote. Sur Netflix, j'ai vu qu'il y avait la saison 4 des Demoiselles du Téléphone qui venait de sortir. Mais waouh, comment vous dire que là je vais la saigner jusqu'à ce soir. Il est 18h mais je vais tellement la saigner. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller m'habiller, je vais prendre... je pense que je vais me refaire un petit thé et tout. Donc voilà, on va dire qu'on va chiller. Donc je m'habille et je vais vous reprendre. Bon, je m'habille en mode loose oversize, genre un gros t-shirt et tout. Et je vous reprends parce que vous allez pas me suivre pendant que je vais me changer. Enfin, flemme de me faire censurer sur YouTube. Bon là les gars, c'est bon, je me suis un peu démêlé les cheveux, je vais laisser sécher à l'air libre. Ce que je vais faire c'est que je vais vraiment, comme je vous ai dit, me poser dans mon lit, regarder les Demoiselles du Téléphone. Genre oh my god, j'aime tellement cette série. Donc là je suis encore qu'à l'épisode 1, mais oh my god, je vais tellement saigner ça jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je mange, jusqu'à ce que je sorte et tout. Donc voilà, donc on va faire une petite pause je pense de quelques heures pendant que je regarderai les petites Demoiselles du Téléphone. Putain vraiment c'est hyper mal tombé cette série, mais je suis vraiment obligée de la regarder. Et vu que c'est veille de rentrée, cocooning, vraiment doit se détendre, bah quoi de bon que de regarder une bonne série Netflix. Voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me suis endormie comme n'importe quoi, je vous ai même pas montré la fin ou quoi que ce soit. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce je fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.